Et mes fratés, je me réveille, je me réveille, je me réveille, et je me réveille. Je me réveille avec un dadou. T'es pas gentil. Oh bah, je me réveille, j'ai un dadou qui tient son papa qui n'est pas gentil. Pourquoi papa il est pas gentil? Parce que t'avais dit là avant, ça c'était la place d'Angina, en fait c'était moi joué. Elle vient me faire des tout petits. Ouais, elle fracasse un peu. C'est une tout petit bébé, un bébé comme ça, elle est toute petite comme ça. Non. Toi, t'es un gros gaillard, un gros costaud, toi. Tu veux que j'aille engueuler avec Bubu? Oui. Que je lui dise pourquoi tu fais des coups de pied à dado? Oui. On commence comme ça la matinée. Ben, voilà, bonjour. Alors là les gars, je vous explique le plan, c'est canapé. Bon là en fait je fais comme si je suis bien mais je suis mal. Hein. Donc déjà non, on va pas faire ça, on va vraiment se mettre bien. Ok. On va vraiment se mettre bien bien. Canapé, Tour de France et la sieste. Oh, ouais. Moi je comprends pas, tout à l'heure tu m'as dit on met papa, en... tu m'as dit papa on met maman, j'ai raté l'avion, d'accord? On a mis un film, c'était pas le bon. Mais le garçon, il s'appelait Kevin. Donc on dit, maman, j'ai encore raté l'avion. Tu m'as dit, c'est pas le bon. Là, on a mis, maman, j'ai raté l'avion. Il s'appelle encore Kevin. Parce que c'est le même. Il y a les mêmes cheveux. Il y a le même corps. Ah. C'est le même film, en fait, les deux. Ah, il a fait peut-être plusieurs films, peut-être, ce garçon, en fait. Mais pourquoi il s'appelle Kevin dans les deux films? Parce que... Pourquoi? Comment il s'appelle déjà? Kevin. T'as pas oublié quand même que c'est moi qui t'ai fait? Tu sais que je sais que t'es en train de faire une bêtise là. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Psst! 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 Qu'est-ce que tu fais? Ouais, et l'autre? Et monte-moi les deux. Un, deux, trois, monte-moi les deux, vas-y. Tu le gères bien, hein? Carrément, t'as réussi à l'amener à moi? Allez, c'est parti! Bébé, tu fais quoi avec tes brocolis? Montre-nous un peu. Je vais vous faire une quiche méditerranéenne, brocolis, feta, tomates. Une cuisson à petit feu. Alors, mes fratés, il faut que je vous parle de Rose la Lune Paris. Rose la Lune Paris, c'est une vraie folie pour les personnes qui ne connaissent pas. Je vais tout vous expliquer maintenant. Donc, oups. Donc, c'est simple, les fratés. Vous avez juste à acheter ce sérum qui est déjà super intéressant parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un sérum ensoleillant visage. Ça veut dire qu'il vous donne une effet bonne mine. Et c'est super important. Donc, un effet bonne mine, vous achetez juste ce sérum. Et toute la box que vous voyez ici est complètement offerte. Donc, pour l'achat de ce sérum, vous avez une box avec tout ça d'offert. C'est une dinguerie. Et donc, une palette comme ceci. Vous avez un pinceau comme cela. Les fratés, là, c'est le soir. Je ne vais pas appliquer le sérum maintenant parce que c'est un effet bonne mine et je n'en ai pas besoin. Je vais dormir. Mais demain matin, vous verrez sur mes premières stories, je vais l'appliquer et vous allez voir la vraie différence qu'il y a. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui est génial, c'est que pour le sérum acheté, vous avez toute une box offerte. C'est Rose la Lune qui fait ça. Donc, voilà. Donc là, ici, il n'y a pas le savon parce qu'en bon, on s'en sert. C'est un savon masque à la rose. Là, ici, vous avez
un démaquillant. Là, vous avez une poudre ensoleillante.